sommes le mardi 22 septembre, il est 8h21. On s'apprête à aller à l'école. Aria a fini de déjeuner. T'as fini, Aria? Oui. Oui, c'était bon? Oui. Oui. Hier, elle a mis son petit serre-tête à l'école et malheureusement, il y a une petite oreille qui est en train de partir. Donc il faudrait que je la recolle là. Mais j'ai pas de colle. Ouais. Hein? Et qu'est-ce que tu as dit quand je suis venue te chercher, que j'ai vu le serre-tête qui était cassé? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas grave, maman. C'est pas grave, maman. Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose qui est cassé ou que je suis là, je dis oh non, c'est cassé. Mais elle est derrière, elle fait mais c'est pas grave, maman. C'est pas grave, maman. Elle me fait trop rire quand elle fait ça. Hein? C'est pas grave, maman. Comme quoi les enfants sont toujours là pour te donner des leçons de vie en gros quoi, parce que c'est vrai que finalement c'est pas grave. Mais voilà, on est quand même déçus sur le moment. Hein? Mais c'est pas grave, elle dit tout le temps dès qu'il y a un truc cassé ou un petit truc abîmé ou quoi. C'est pas grave, maman, mais c'est pas grave. Je vous jure. Nono est ici. Nono, ça va? Oui. Oui? Faut que je te coiffe. Ouais, mais il faut que je te coiffe là. Hein? Hier, il avait piscine. Alors, il aime bien quand il a piscine. Hein? Ça a été à la piscine? Et je sais pas vous, vos enfants, mais chez nous, par chez nous à l'école, ils collectionnent en ce moment, ils sont à fond dans les billes. Ben, l'an dernier aussi, hein, ils étaient déjà à fond dans les billes, mais voilà, c'est les billes. Là, c'est les. Comment ça s'appelle ça? Des boulards? Des mammouths. Ah, des mammouths? Oui, parce que c'est grand. Ben, les boulards, c'est lesquels? C'est ceux-là? Ouais. Ah ouais. Voilà, donc. J'en ai une même comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Ouais. Donc ouais, chez nous c'est la collection des billes. Je vais la descendre de sa chaise. Et donc du coup, comme je vous ai dit, nous donc on s'apprête à partir à l'école. Donc moi je vais les déposer à l'école. Ensuite je vais aller faire un petit tour à Action. Et après il faut que je cherche un drive en fait à 10h. Donc j'ai fait les courses avec l'application Joe. Donc voilà, je suis en train de regarder parce que ça fait une semaine, plus d'une semaine en fait, qu'ils ont un échafaudage au niveau de notre rue, donc on peut pas se garer. Donc avec les courses, ça risque d'être difficile, donc je me demande s'ils vont pas l'enlever aujourd'hui l'échafaudage. Franchement, ce serait cool parce qu'en fait, j'ai même pas réfléchi, mais j'ai programmé le drive aujourd'hui, mais je sais même pas comment je vais amener toutes les courses. Je vais devoir faire des allers-retours, je vais me taper des allers-retours de fou. Enfin bon bref, c'est cool parce que je vais pouvoir vous vlogger aujourd'hui et je vais pouvoir vous vlogger demain également puisque je suis 2 jours en repos. En fait j'ai 2 jours de repos consécutifs parce que j'ai des heures à rattraper en fait. C'est des heures de récup, voilà, en gros. Donc voilà, donc j'ai 2 jours, j'ai aujourd'hui en repos et demain en repos. Donc c'est très très cool. Je pense déjà aux vacances d'ailleurs puisque j'ai tellement hâte d'être en vacances. Que voilà, ça y est, depuis le dernier vlog, en fait, vous m'avez vu un petit peu démoralisée et tout ça. Ça va un peu mieux. Il y a des choses qui ont avancé, en fait, au niveau, bah, justement, administratif. Je vous avais déjà dit que c'était un gros, gros, gros souci pour moi, l'administratif, les documents à rendre, les papiers, les dossiers, les... Oh là là, c'était... Pour moi, c'est le cauchemar. Et là, j'ai enfin tout clôturé. Je suis tellement fière de moi. Que voilà, je suis contente du coup, il y a d'autres choses qui ont avancé aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente. Bon, le boulot, ça reste au même point. Mais bon, on va pas en parler pour pas me démoraliser. Mais voilà, allez, on va mettre nos chaussures et on va y aller. Bon voilà, du coup, on est parti là pour amener Aria et Nolan à l'école. Par contre, Evan est déjà parti depuis un petit moment. J'ai pu enfin régler toutes les choses administratives au niveau du collège. La demande de bourse, la demande de classe bilingue, etc. Alors moi je dis bilingue. Quand je suis arrivée à son collège, tout le monde disait bilingue. Et finalement, lui maintenant, Evan il dit aussi bilingue. Donc je crois que ça se dit, enfin je crois que les deux se disent bilingue et bilingue. Mais moi j'ai toujours dit bilingue. Enfin bref, quoi qu'il en soit,
Ça y est, il est enfin entré dans la section bilingue. Bilingue. Et donc il a des cours d'espagnol et des cours d'anglais. Et je suis très contente parce qu'en plus il s'intéresse à l'espagnol et il s'intéresse à l'anglais aussi. Il adore les deux langues. Enfin, Evan, il adore ça, les langues. Il est très fort d'ailleurs en anglais et en espagnol. Donc je suis contente que cela ait pu s'arranger. Et pour la demande de bourse, c'est pareil, ça s'est arrangé aussi parce que du coup, en fait, au début, je voulais pas faire de demande de bourse parce que je pensais avoir droit à rien. Et finalement, j'ai quand même droit à un petit truc, enfin, c'est le minimum. Hein. Je vais vous dire rapidement, en fait, ça équivaut à 35€ par trimestre. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et en fait, le trimestre, on le paye, nous, au collège où il va. Moi je le paye 187€ à peu près, donc déjà c'est pas donné, mais je me dis bon, avec 35€ au moins c'est déjà ça, bon, c'est mieux que rien. Mais voilà, donc je suis contente que tout ça ait pu s'arranger aussi. Je vous dis, quand ça s'arrange comme ça au niveau administratif, c'est toujours mieux que quand tout traîne quoi. Donc voilà, allez, on est arrivé sur le parking de la maternelle et je vous reprendrai tout à l'heure. Je suis sur le parking de chez Action, c'est pour ça que j'ai le masque, comme ça je sors direct. D'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi j'allais à Action. Je voulais trouver la famille de gnomes en fait à Action de Noël, quelques petites décos de Noël et une fameuse horloge. Mais ça, je crois qu'il y aura pas. Enfin, je suis pas sûre. Donc voilà, là, je vais pas tarder. Ça vient d'ouvrir, il me semble. Mais je suis pas sûre. En fait, je crois que ça ouvre à 8h30 maintenant. Donc du coup, chez Action, j'ai trouvé les gnomes que je cherchais. Et les mini gnomes, alors je voulais faire la famille en fait, la maman, le papa, les deux garçons et la petite fille pour notre famille forcément. Et je suis trop contente de les avoir trouvés. Donc les gnomes, ils étaient vraiment pas chers, hein. Ils étaient à 6,49€ les gros. Les petits étaient à 1,74€ seulement, vous vous rendez compte? 1,74€, ils sont quand même assez gros, hein, mais bon, voilà. Donc je vais vous montrer, donc ouais, là il y a la maman gnome, ils sont vraiment gros et ils sont lourds en fait. Vous voyez, il y a un truc, vous savez les perles en dessous pour les laisser debout. Là il y a juste des petits poils là qu'il faut que je... avec, vous savez les genres de scotch roulette là, je suis sûre que vous voyez ce que je voulais dire pour enlever les poils. Il faut que je les passe comme ça. Donc les petits gnomes, j'ai pris deux garçons et une fille forcément. Ensuite, j'ai voulu prendre des petits casse-noisettes là. Enfin, je les trouve superbes. Franchement, ils ont mis là les décos de Noël et je les trouve vraiment, vraiment trop beaux. Les casse-noisettes, vous n'allez pas vous rendre compte, mais ils sont à 99 centimes. Même pas 1€. Et je les trouve, mais trop jolis quoi. Il y en avait encore plein d'autres couleurs là. Je voulais tous les prendre, mais j'ai dit bon, faut que je me calme. Donc 99 centimes le casse-noisette. Ensuite j'ai pris ces petites décos là, je les trouvais trop jolies, c'est des petits anges. J'aurais dû même en prendre plus avec des petites clochettes au bout. Donc j'en ai pris deux, une en rose et une en blanche. Celle-ci était 1,37€ l'unité. Ensuite j'ai pris des huiles essentielles. Il y en a un, ça s'appelle Paradise et l'autre Pumpkin Spice. Celui-là je vais le tester tout de suite parce que c'est vraiment le genre de produits que j'adore. Ils étaient à 84 centimes l'unité et il y a 50 ml dedans, donc on verra ce que ça donne, hein. Au pire voilà, j'ai pas perdu grand chose, hein. mais c'est cool pour mettre dans mon diffuseur. Là c'était en fait toutes les choses qui étaient en promo, ça, donc ça c'était ça. Ensuite la raclette que j'ai payé 89 centimes et franchement elle est en bambou comme ça. C'est pour la douche en fait, après qu'on se soit douché, nous on racle la paroi de douche automatiquement pour pas laisser de traces et pour pas laisser de calcaire. Ça aussi c'était dans le coin des promos, c'était 1,76€ et c'est un vernis transparent en fait. Je vais essayer en fait d'en mettre sur mes objets en bois. Celui-là d'ailleurs je l'ai fait hier, j'ai recouvert avec du vernis, mais vous savez au pinceau, du vernis transparent mat. Et franchement, c'est des trucs de chez Action qui sont bruts en fait, ce que tu achètes brut. Et moi, je les ai poncés et je les ai vernis après. Et ma petite lampe de sel, franchement, j'ai trop craqué. Elle était à 7,49€ seulement. Les lampes de sel, c'est pas donné en temps normal. Et là, franchement, 7,49€. J'ai voulu tester, on va la déballer ensemble et on va voir ce que ça donne. Et voilà, du coup, la petite lampe de sel allumée. Bon, bah forcément, vous verrez rien parce que c'est une grosse source de lumière. Et encore, je trouve que la lumière, justement, elle est super douce.
En fait, la lampe de sel d'Himalaya, c'est réputé pour purifier en fait l'environnement et également pour apaiser. Voilà. Et là, vous n'allez pas bien le voir. Ah oui, là, vous voyez bien les petites statuettes là. Les hiboux de la sagesse, du coup je les appelle, puisqu'il y en a un qui se couche, cache les yeux, l'autre les oreilles et l'autre la bouche. Vous savez très bien que c'est un de mes dictons très préféré, enfin je sais pas comment vous dire, mais j'adore ce dicton là, cette représentation, j'adore. Donc du coup ouais, je les ai aussi achetés chez Action, mais ça fait un petit moment que je les avais achetés. En fait ils étaient à l'unité à 1,84 il me semble. Et voilà, ça se vendait à l'unité, hein, les petits bouts. Bon, il y avait aussi ça à Action, donc j'ai pris des pansements, puisqu'Aria, elle est dans sa période pansement. Donc j'ai pris les licornes et les petits monstres, ils étaient à 99 centimes pièce. Une petite balle rebondissante et qui s'éclaire comme ça. Le fameux serre-tête, c'est exactement le même qu'elle a déjà, mais que l'oreille a arraché. Du coup, j'ai pris de la super glue pour lui recoller les oreilles quand même. Voir si ça fonctionne, mais ça m'étonnerait. Des patins pour sous les chaises, parce que j'en ai marre d'entendre tous les matins ça. Voilà. Donc j'ai pris des patins. Et le dernier petit truc, c'était une multiprise. Ensuite, j'étais à Zeeman parce que j'avais repéré des culottes hautes, des culottes hautes à dentelle. Mais finalement, ils en avaient pas. Donc j'étais un peu déçue. Mais sinon, j'ai acheté des trucs d'Halloween parce que les enfants, ils kiffent ça. Donc ça c'est pour Aria, voilà, bouh, et en fait ça c'est, vous savez, ça brille dans la nuit, c'est phosphorescent, donc j'adore ce genre de truc, et les enfants kiffent aussi. Donc celui-ci qui est à 2,99, je l'ai pris en 2-4 ans, celui-ci c'est pareil, il était à 2,99, bon je pense que ça c'est plus un modèle garçon et ça le fille, mais je trouve que c'est quand même pas mal, donc ça aussi, donc 2,99 du 2-4 ans. Ensuite, pour les garçons, j'ai trouvé celui-ci, puisqu'ils en ont déjà, en fait, un t-shirt comme ça, un manche longue d'Halloween dans ce style. Enfin, c'est pas vraiment ce style-là, mais c'est aussi un t-shirt d'Halloween avec des têtes de mort, des chauves-souris, etc. Donc, je leur en ai quand même repris un, hein, parce que celui-là, il brille dans la nuit aussi. Ils étaient à 1 euro. Mais quoi, 1 euro, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était une promo. Je pense qu'à la base, ils étaient à 2,99. Mais ouais, on le voit à travers, c'était à 2,99. Et là, ils sont passés à 1 euro. Donc, j'en ai pris un pour Nono. Et un pour Evan, forcément. Pareil, 1 euro. Ensuite, j'ai pris ça pour justement enlever les bouloches sur les gnomes, là. Donc, c'était 89 centimes le rouleau, puis ça, c'était 99 centimes les refills. Encore un petit serre-tête, parce que j'ai craqué sur celui-ci. Il était 1,49. Mais regardez ça, c'est trop mignon, ça. Ça, elle va kiffer, Aria. Ça, des petites culottes, parce que plus ça va, plus elles deviennent petites, celles qu'elle a. Parce qu'elles sont, encore quand au début de sa propreté, quoi. Donc là, j'ai pris du 2-4 ans. J'espère que ça ira. Ce sera pas trop grand, mais ça me paraît un peu grand. Mais bon, bref, 2,99 les deux. Ouais, c'est pas des culottes. Du coup, c'est des shorties. Elle a pas de shorties, donc on va tester ça. Et des petites décos d'Halloween. Donc des petites araignées comme ceci à 99 centimes. Je les ai pris en violette et en blanche et noir comme ça. Et des petits autocollants, là, vous savez, pour sur les fenêtres. Qui étaient à 99 centimes, la plaquette. Voilà. Du coup, pour les courses, Joe, je vous montre d'abord les recettes. Comme ça, vous voyez les recettes que je vais faire avec les ingrédients présentés. Donc, premièrement, il y a une tarte au potimarron et chèvre. Le potimarron, il n'y en avait plus sur le drive, donc, mais ça tombe bien puisque j'en ai encore une moitié que j'avais acheté il y a un petit moment, mais qui, voilà, il me reste une moitié, donc c'est pas grave. Il y a du chèvre, du coup, dans les courses. J'ai pris aussi pour faire des cookies choco cacahuètes. Crevettes au curry express, pasta Alfredo et le dernier c'est lasagne saumon épinard. Voilà, donc ça c'est les 5 recettes que j'ai sélectionnées pour du coup la semaine. Sachant que à midi nous on mange pas à la maison, ni les enfants, ni moi, ni rien. Enfin, on est au boulot et les enfants sont à la cantine. Donc du coup je prévois juste un repas dans la journée. Hein. Après il y aura des restes évidemment, puisqu'on fait toujours un petit peu plus pour avoir le reste le lendemain. Mais voilà, en gros, donc je vais commencer. Alors, il y a des choses que j'ai rajoutées en plus, par exemple, ça, les yaourts, les riz au lait. Ça, c'est les garçons qui en sont fans. Aria, elle aime aussi, mais elle en mange moins, elle, des yaourts en fait, en fin de repas.
Donc bref, j'ai pris ça, j'ai pris, donc il y avait de la farine, des bananes, ben, j'en prends à chaque course parce que forcément des bananes on en mange beaucoup, les crevettes pour les crevettes express là, deux paquets, il y a du saumon d'Écosse, ça je sais pas si je l'ai pris en plus ou si c'était déjà, mais il me semble que c'était déjà, c'était pour les spaghettis Alfredo il me semble. Donc c'est des aiguillettes de poulet, des oignons rouges, de la crème fraîche épaisse, ça c'est ce que j'ai rajouté un petit peu en plus parce que le soir j'aime bien manger un petit paquet de dragibus devant la télé, de l'ail, du riz thaï, des tagliatelles, des lasagnes, du beurre comme ceci et du beurre comme cela, je sais pas pourquoi il y en a deux mais il doit bien y avoir une raison, je pense que c'est pour les cookies. Ensuite, bah, il me fallait du Nutella en urgence, puisqu'il n'y en avait plus et que les enfants m'en réclament depuis 2 jours et qu'ils ne mangent que ça. Voilà. Donc, j'ai pas le temps là. J'aurais eu le temps en fait de faire du Nutella maison, mais j'ai plus du tout de chocolat en fait praliné. J'en cherche partout et franchement, les rayons sont vides. J'ai du mal à en trouver en ce moment. Ensuite, de la crème légère fluide. Ça, c'était un truc en plus parce que je ne l'ai pas commandé. Et comme ça, à l'unité, je vois pas pourquoi ce serait dedans. Donc je pense que c'est un genre de cadeau qu'ils donnent avec les cours, je sais pas. C'est trop cool. Je pense que ça doit être une date courte ou un truc dans le genre. Mais c'est vraiment le genre de truc que j'adore, en fait, les barres. Comme ça, je vais l'emmener pour le boulot. Des œufs, il y en a que 4 parce que c'est sûrement pour les cookies. Des petites... vous savez, les petits palets comme ça, chèvres. Ça, c'est pour la recette de la tarte potimarron et chèvre. Les muffins, parce que moi, je mange ça au petit-déj le matin, j'en coupe un. En deux, je le mets au grille-pain, je mets du beurre et de la confiture de figues que j'ai fait là récemment. Oh, c'est une tuerie. Pâte feuilletée épaisse, parmesan, tablette de chocolat noir, ça je pense c'est pour les cookies. Ça c'est les épinards pour la tarte, enfin pour les lasagnes saumon épinards et du parmesan en copeaux. Voilà. Moi, en rentrant, je suis passée à Lidl parce que je voulais absolument retrouver ces fameux raviolis là, japonais. Mais je trouve plus nulle part en fait. Ça y est, donc il y en a plus. Donc bref, il me fallait quand même du pain de mie parce que j'ai oublié d'en acheter. J'ai racheté du saumon en fait. J'avais oublié que j'en avais dans les courses, mais je vais le faire à midi en fait. Je veux le faire avec de la crème fraîche. Aux arraches des pansements. Mais ça, c'est parce que c'était aussi à 99 centimes et que les modèles ils sont trop jolis. Voilà. Mais voilà, au moins j'en ai pour vraiment un long moment. J'ai racheté ces petites sachets individuels là de mélange de fruits secs et de pétales de maïs, etc. Ça, j'en emmène au boulot, ça, voilà, ça dépanne. Mon pain préféré, celui aux graines, que je prends tout le temps et que je fais trancher. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gendarmes fumés. On trouve ça en Allemagne, en Alsace aussi. J'adore. Et un marbré, voilà, pour les enfants le matin, ils aiment bien aussi ce genre de conneries. Par contre, là, j'ai pas pris vraiment grand-chose, même aux courses et tout, parce que ce soir, on va refaire des courses avec David, parce qu'on a du monde. On a du monde ce soir à manger. Donc, du coup, on va refaire des courses pour ce soir, et on va faire plus de courses en ce qui concerne les légumes et les fruits, parce que là, j'ai rien, quoi. Donc, voilà. Oh, ça y est, j'ai récupéré les enfants, donc du coup aujourd'hui il y aura que Nolan, Nolan et Aria à la maison. Et du coup moi donc j'ai fait rapide hein, pour le repas de midi. Donc comme je vous ai dit, en fait ça c'est du saumon que j'ai fait revenir avec un petit peu d'oignon, de ciboulette, de la moutarde à l'ancienne, de la crème fraîche et du citron. Voilà, j'ai fait ça et avec des petites pâtes qui sont là en train de finir de cuire. Regardez les pâtes, en fait, j'adore les pâtes originales comme ça. Et ça c'est pour Anne. Et là, les deux se disputent parce qu'ils veulent préparer la table. Non, c'est pour Aria. Mais maman, elle a déjà, une assiette. Va mettre ton assiette sur la table. Avec les pieds, va, Nolan. C'est un peu moyen, quoi. Ah non. Aria, tu vas mettre ton assiette, on va manger. Non. Pourquoi non? Je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Papa est au travail. Papa. Par contre, là... Non, non, non. Pas par terre. Tu vas la casser, hein. Papa. Va manger des pâtes. Des pâtes. Il est en train de travailler. Toi qui adore les pâtes. Bon, du coup, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Ça me fait drôle de parler à voix haute comme ça l'après-midi à cette heure-ci.
Parce qu'en temps normal, il n'y a rien qui fait la sieste quand je suis à la maison, quoi. Donc c'est vrai que là, ça me fait drôle qu'elle soit à l'école et tout ça, et que je sois à la maison. C'est marrant, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pas l'habitude, du coup. Bon, bref. Donc là, comme je vous ai dit, il est 2h15. Je sais pas si je vous l'ai dit, d'ailleurs. Putain, je perds la boule. J'ai du noir, là. Oh là là. Ça, c'est quand ça a coulé, quand j'ai marché. Oui, donc du coup j'ai amené Aria et Nono à l'école à pied. Je suis allée à pied comme ça m'a fait un petit peu mes pas. Là j'en suis à 5666 depuis ce matin. Ça va, c'est raisonnable, ça va. Donc là je me suis fait un café que j'ai bientôt terminé d'ailleurs. J'ai fait le ménage partout là dans la cuisine. J'ai fait les poussières partout. J'ai nettoyé. Là je vais plier un gros bac à linge sale, ce que je déteste le plus. Le linge, c'est une histoire sans fin, le linge, et pour tout le monde c'est pareil. Donc bref, je vais faire ça devant une petite vidéo YouTube. Je vais boire ça aussi, j'ai trouvé ça hier. C'est trop bon, c'est du Fusti. En fait c'est une édition limitée. Il y a un livreur. Bon, du coup on a été interrompu par le livreur. J'ai commandé quelques petites choses pour l'anniversaire d'Araya, puisqu'elle va avoir 3 ans lundi. Donc du coup ouais, j'ai commandé quelques petits cadeaux, donc ça doit être ça et d'autres petites choses. Donc je disais, le Fusti en fait c'est... Ça c'est Alexa qui sonne parce que ça a été livré. Le Fusti c'est une édition limitée au thé vert, saveur myrtille et jasmin. Franchement je le kiffe. Il est trop bon là, bien frais et tout, il est trop bon. Allez, on va ouvrir le petit paquet. En fait à chaque fois qu'elle voit des Hatchimals à la télé, elle est toute folle, elle en veut trop. Donc bah écoutez, je lui ai pris le... Je sais pas ce que c'est exactement, oui ça c'est l'arbre Hatchimals. Donc il n'y en a pas beaucoup finalement je crois dedans. Il y en a une seule, un Hatchimals. Mais j'ai commandé plein d'autres Hatchimals. J'ai commandé aussi des Polly Pocket. Parce que vraiment tout ce qui est petit comme ça et à jouer comme ça en miniature, elle adore en fait. Elle préfère les petits jouets comme ça que les gros jouets énormes et imposants et tout. Elle préfère les toutes petites choses comme ça. Et moi je sais qu'à son âge, enfin pas à son âge peut-être pas, mais je m'en souviens pas, hein. À son âge je peux pas m'en souvenir, mais je sais que j'adorais aussi tout ce qui est tout petit, Polly Pocket, tous ces trucs et tout. Donc voilà, là je lui ai pris ça sur Amazon, c'était dans les 32 je crois, 32 euros, un truc comme ça. Donc ça sera un premier cadeau, le reste arrive demain. Voilà, je vais vous montrer derrière en fait. Vous pouvez mettre tout plein de petits Hatchimals, et c'est pour ça que je vous ai dit, j'en ai commandé quelques-uns encore en plus. Et puis jouer dans son petit arbre des Hatchimals. Et il y a aussi une paire de semelles pour Nolan, puisque dans un précédent vlog je vous avais parlé qu'il avait des soucis au niveau des odeurs. Lui dans ses chaussures il transpire de ouf, du coup ça le... Bah il pue des pieds, voilà. Hein, donc du coup vous m'avez beaucoup conseillé des semelles en cuir, que ça aide beaucoup. Ou alors vous m'avez aussi conseillé de mettre du bicarbonate. J'en ai mis aussi d'ailleurs, ça a bien aidé en fait. Le soir quand il était rentré j'avais mis du bicarbonate et j'avais laissé toute la nuit. Et le matin j'avais secoué les chaussures et j'avais aspiré à l'intérieur. Franchement ça, il n'y avait plus aucune odeur, c'était génial. Mais voilà, je vais lui mettre des semelles quand même, parce que c'est vraiment je pense que la chose qui aidera le mieux. Voilà, c'est pareil, hein, je les ai commandés sur Amazon, j'ai dû les payer 5 ou 7 euros, je crois, je sais plus exactement. Voilà. Voilà, je viens d'aller voir à la boîte aux lettres, en fait, je viens d'avoir le message comme quoi le livreur a laissé le colis dans la boîte aux lettres. Donc c'est le deuxième petit cadeau et c'est le Polly Pocket, vous savez, une petite maison Polly Pocket en forme de lama quand elle a vu ça. Non mais elle était toute dingue, donc j'ai dit bon, allez, je lui prends. Donc pareil, hein, j'ai commandé ça sur Amazon, il faut que j'aille le planquer parce que là, je pars là. J'ai mis mes chaussures, tout, parce que David m'attend pour aller faire les courses, justement. Donc j'y vais, je me dépêche, là, j'étais justement en train de partir. J'ai mis le linge sur la table, parce que sinon Nikki nous prend le linge et nous le met dans son panier. Voilà, donc je vais planquer tout ça là-dedans. Et je vais mettre ça dans la buanderie, en hauteur. Bon, il n'y a plus trop de place en hauteur parce que je mets tous les cadeaux. Ça, c'est le cadeau à Evan pour Noël. Je mets tous les cadeaux là en hauteur pour pas que les enfants les atteignent. Voilà. Mais voilà. J'ai pris mon masque, je l'ai mis là, sur ma petite poche. Et David m'a demandé de lui prendre un truc à manger vite fait pour qu'il mange parce qu'il a faim. J'ai pris des galettes de pommes de terre, mon téléphone, la clé de ma voiture parce que j'ai des sacs à prendre de course. Parce que David, il n'a jamais des sacs de course.
Bon allez, j'arrête de blablater, j'y vais sinon il va m'attendre. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais me dépêcher pour le retour de course. Il y a quand même pas mal. Hein. Voilà, là on en a eu, je vous dis le montant comme ça moi vous rendez compte. On en a eu pour 102 euros et des brouettes. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau en fait. Moi j'aime bien la tourtelle. Donc c'est une bière sans alcool. Et là c'est au jus d'ananas et de citron vert. Mais ça a de la tuerie. David il s'est pris des lèvres rubis. Elles sont bonnes aussi celles-là. J'ai pris des œufs bio comme toujours. Là j'ai voulu changer avec de l'huile d'olive. J'ai pris de l'huile de colza. En boisson on a pris du Pepsi Max sans sucre. Du Pepsi Max Cherry sans sucre. De l'Ice Tea. Enfin c'est du genre d'Ice Tea sans sucre aussi. Et en alcool aussi, on a pris un verre pêche, donc c'est un plan de pêche. Ensuite, de la mayo, c'est pour Monsieur Mayo. Des maïs, des champignons pour ma recette de ce soir. J'ai repris de la crème de coco quand je fais mes poulets au curry. Là, c'est des genres de craquinettes, mais de la marque Leclerc, du coup, donc à la framboise et à la fraise. Pour les enfants, ils aiment bien ça. Des Mr Freeze pour Mademoiselle Mr Freeze. Des carottes parce que je vais faire des bâtonnets de carottes à l'apéro là, c'est pour ce soir. Donc les fameux gnocchi pour ma recette de gnocchi. Voilà. Du poulet pour pareil pour la recette de gnocchi au poulet. Des nuggets de poulet. Ça c'est David qui en prend tout le temps quand il a la flemme le soir et que je suis pas là pour faire à manger. Voilà, il fait souvent des. Enfin il fait des trucs assez faciles. Ensuite j'ai voulu tester ces wraps, c'est au quinoa et au chia, donc ça a l'air pas mal. Donc ouais, j'ai voulu tester, ça change des natures. Ensuite de la mozzarella râpée, moi je préfère au gruyère, en fait je mange que de la mozzarella râpée maintenant. Ça c'est, vous savez, un fromage à tartiner ail et fines herbes. En fait c'est pour tremper avec les biscuits apéritifs pour ce soir, de la mozzarella pour ma recette. Du jus de citron en bouteille, de la moutarde mi-forte, du fromage frais aussi pour tremper avec les biscuits apéritifs, des spaghettis, des trucs pour la vaisselle, là, des pastilles, de la feta, c'est pareil, c'est pour ma recette de ce soir, des poudres rayées 1 kg, celle-là j'ai voulu tester, je ne les connais pas, ces formes, là j'aime bien tout ce qui est forme bizarre, je vous l'ai dit déjà. Donc des tortillas au fromage et des 3D au bacon, de la viande hachée surgelée. Là il y avait une offre de acheter la troisième gratuite, donc c'est des gnocchis à poêler, il y a bacon et persillade, donc on en a pris 3. Là vous voyez le maxi paquet de gruyère de 1 kg puisqu'on en met partout du gruyère. Là il y a de la, en fait c'était de la charcuterie en date courte à 80 centimes et je vais les rouler ce soir, je vais les présenter en apéro. Là c'est pareil, c'était de la date courte, c'était du jambon à la broche sans nitrate, sans nitrite, je sais pas pourquoi je dis toujours nitrate. Des palmitos, c'était 1 euro le gros paquet comme ça, donc on en a pris 2. Du lait, 6 bouteilles. Ça c'est pareil, c'était des dates courtes aussi, c'est des cordons bleus au fromage de raclette. Quand on a vu ça, on s'est dit il nous les faut, donc on a pris 2 paquets. Et je crois qu'on a fait le tour. Là, on a aussi pris du fuet pour ce soir. Donc, on en a pris 2. T'as pas fait ça. De quoi? T'as pas fait à tout au fond là. Ça? Si. Ça? Ouais. Si, je vous ai montré les 3D. Ben, ça, c'est la viande hachée, j'ai montré aussi. Voilà, bon, bah, c'est tout, on a fait le tour. Evan est rentré. Evan vient de rentrer. Et je vais déjà faire mes devoirs. T'as beaucoup de devoirs? Non. Ah. Oh ouais, t'as rien. Et Nono, si, celui-là j'ai dit. Et Nono il est aussi rentré, lui il a pas de devoir du tout, il a la chance ce soir. Hein, ouais. Moi j'ai rien, je connais par cœur l'anglais. T'en sors bien, Michel. Je dois répéter des noms en anglais et je dois réciter l'alphabet. Ça a été, du coup ils t'ont déposé à l'autre arrêt de bus ou au... On pouvait aller au parc. Ah bon, d'accord. Allez, on va ranger tout ça. Maman, c'est parti. Donc du coup là il est 6h30 et nos amis arrivent vers 19h, donc du coup tout est prêt, j'ai préparé la table là. La petite voleuse de biscuits apéro est ici. Oui, c'est de toi que je parle. Depuis tout à l'heure elle vole les biscuits apéro, tu sais le moment où tu mets les biscuits apéro sur la table mais que t'as des enfants et qu'au final tu dois re-remplir le bol parce que ton enfant il a tout mangé. Je suis sûre que les parents me comprendront. Bref, et donc voilà, ouais, du coup j'ai tout préparé. En fait,
J'ai tout préparé là, les ingrédients, j'ai déjà mis les oignons, les champignons, l'ail, l'huile d'olive pour faire revenir le tout en fait quand ils arrivent, parce que la cuisson est très rapide, c'est 5 minutes. Il faut juste faire revenir en fait tout ça avec les gnocchis, ensuite faire cuire sous pression pendant 5 minutes. À la fin, il faudra ajouter il y a le poulet aussi que je vais rajouter, mais bon, le poulet, je le mets pas tout de suite là. Je l'ai dans le frigo que j'ai déjà émincé, donc j'aurais plus qu'à le rajouter au dernier moment pour faire tout revenir. Ensuite, avec les gnocchis que je vais faire tout revenir aussi. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Normalement, ils disent que c'est pour 6 personnes. On a pris 2 paquets, sachant qu'on n'est que 4 adultes et nos 3 enfants. Donc, je sais pas. Et là, j'ai émincé de la feta aussi, donc je laisse là pour l'instant, que je vais mettre tout à la fin, avec un peu de vin blanc, de crème fraîche, persil, sel, poivre, et voilà. Non, du sel, je rajouterai pas, parce qu'elle a fait ça. Donc du coup, je pense que je vous reprendrai tout à l'heure quand nos amis seront partis et qu'on ira se coucher, comme d'hab, au meilleur moment de la journée. Et voilà, les garçons sont dehors, ils jouent pour l'instant. Ils devraient pas tarder à rentrer d'ailleurs, parce que je leur ai dit vers 18h30 avant qu'ils arrivent. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée est... arrivé. C'est arrivé. Il est 23h27. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vous reprends après que nos amis soient partis. Donc du coup, ils sont partis vers quelle heure d'ailleurs? Bah, vers 23h. Hein. Ouais, 23h. Moi, je suis HS, pas toi? Ouais, je suis un petit peu crevé. Ouais, franchement, on n'arrive plus à supporter quand on a du monde à la maison. Sans déconner, on est comme des vieux. Hein? Ouais, grave. Grave. On supporte plus. C'est pas qu'on supporte plus, c'est que avec tout. Avec l'enchaînement, on y arrive. Bah ouais, avec le boulot, tout le rythme et tout, c'est que. Bah, du coup, après, quand on a du monde à la maison, ça nous paraît. Ça nous paraît chaud, quoi. Même si on s'est régalé d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais. C'était pas... je sais pas si je vous avais dit que c'était un gratin ou pas un gratin, enfin je sais plus quoi. On a bien mangé, ensuite ils avaient amené un dessert, c'était de la... Un framboisier, il était trop bon, j'adore moi les gâteaux. En fait, je vous ai dit que j'étais pas trop sucrée, mais tout ce qui est gâteau aux fruits, c'est ce qui se passe le mieux en fait. Parce que tout ce qui est gâteau au praliné, chocolat, caramel, fraises, genre les mousses ou quoi que ce soit, ça, c'est trop lourd pour moi, donc je suis vite écœurée. Mais tout ce qui est fruits comme ça, j'aime bien et ça passe bien. Donc voilà, allez, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.